Mes chers amis, pour vous parler des valeurs, de la civilisation et de l'éducation des hommes, je suis tout de même assez voisin de la mort pour que mon principal souci soit la vie éternelle. Le grand problème d'ici-bas, c'est de savoir si Dieu et une éternité nous attendent au-delà de la tombe. C'est de savoir si la vie temporelle est un chemin ou bien si elle est un but. Je crois que tout est là. Il faut bien avouer que dans le monde moderne, y compris, hélas, dans une certaine religion New Look qu'on nous enseigne, tout converge pour faire de ce chemin un but. Temps en temps, permettez-moi de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Temps en temps, je n'y attribue pas beaucoup d'importance, mais enfin, tout de même, c'est assez significatif. Un prédicateur de Notre-Dame vient se borner à nous dire que le Christ n'a rien contre le bonheur temporel, et certainement il n'a rien contre le bonheur temporel, qu'il approuverait les vacances et le bronzage au soleil. Moi, je veux bien, tout de même, mais enfin, ce n'est tout de même pas la peine qu'un Dieu s'incarne pour nous apprendre cela. Il me semble qu'il y a une autre dimension, et je suis un peu inquiet, vous comprenez, devant ce Dieu. Eh bien, comrade, il n'y a pas d'autre mot, comrade à l'enseigne du plus grand plaisir et du moindre effort. Vous comprenez? Eh bien, une religion sans exigence, eh bien, c'est tout de même extrêmement grave. Si elle est sans exigence, c'est qu'elle est sans profondeur. Et si on fait tellement de rabais sur Dieu, comme sur une marchandise un peu usée ou un peu défraîchie, c'est qu'on est plus sûr de ce Dieu. Si vraiment nous croyons à quelqu'un qui nous amène, qui nous apporte la vie éternelle, eh bien, il est normal que cet être suprême ait des exigences. Alors, quand nous comparons tout de même avec d'autres époques, je lisais dernièrement un texte de Massillon. Il était question du refus du monde, d'un certain refus du monde, bien entendu. Eh bien, que le chrétien doit avoir. Peut-être bien que Massillon exagérait. Mais maintenant, on exagère tellement dans le sens contraire, eh bien, qu'il est permis de citer encore ces grands textes. Parlant donc à ses auditeurs, dont le roi de France et les grands seigneurs, Massillon disait, « Messieurs, quel est ce monde pour lequel le Christ n'a pas prié et que vous devez haïr? Je n'aurai qu'à vous répondre que c'est celui que vous aimez. Vous ne vous tromperez pas à cette marque. Ce monde, c'est une société de pécheurs dont les désirs, les craintes, les espérances, les soins, les projets, les joies, les chagrins ne roulent que sur les biens et sur les maux de cette vie. Ce monde, c'est un assemblage de gens qui regardent la terre comme leur patrie, le siècle à venir comme un exil, les promesses de la foi comme un songe, la mort comme le plus grand de tous les malheurs. Eh bien, tout est dit, et nous en sommes loin, et ce n'est pas cela qu'on nous presse aujourd'hui. Seulement, cette promesse d'éternité, qui, je vous le répète, est ma principale préoccupation, implique tout de même des exigences dans le temporel. Eh oui. Eh bien, voyez-vous, il y a des valeurs temporelles qu'il faut cultiver avant tout. Dieu premier servi, d'accord, mais pour atteindre à la vie surnaturelle et éternelle, il faut passer par le temps. Il faut passer par le social, il faut une éducation, il faut une civilisation, car c'est une grande loi de la nature humaine, hélas, que le supérieur dépend de l'inférieur, et d'une façon qui va infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. C'est tragique, mais c'est ainsi. C'est la fameuse loi d'Auguste Comte qui nous dit que partout, on constate ici-bas la dépendance du plus haut à l'égard du plus bas. Je vous citais, je crois, l'année dernière, ce mot d'un humoriste qui va très loin. Eh bien, la rose a besoin de fumier, mais le fumier peut très bien se passer de la rose, oui. C'est toute la question du terrain, c'est toute la question de l'enracinement. C'est extrêmement important. Ouais. Eh bien, l'être promis à l'éternité, cet être qui est l'homme, est aussi l'être le plus vulnérable dans le temps. Et doutieré, on vous l'a dit et redit, ce n'est pas revenir sur cette étymologie, cela veut dire tirer des possibilités au dehors, cela veut dire accoucher un être des possibilités qu'il porte en lui. Ces possibilités sont à la fois positives
est négative. Et c'est la société, l'environnement social, l'ambiance qui les tire au jour. Alors, ce mystère de l'influence du milieu a quelque chose d'insondable. D'où le problème central qui se pose. Quel est l'environnement social qui donne à l'homme ses meilleurs sens de rejoindre son essence, qui prépare le mieux l'homme à la vie éternelle, qui offre le terrain le plus propice à l'éclosion de la grâce? Quelle est, en dernière analyse, la forme de société qui permet de surmonter le social? Et quelles sont les conditions de vie humaine qui, à la limite, peuvent nous affranchir du conditionnement? Tout le problème est là. C'est, comme l'a dit Simone Weil, le problème des métaxus, c'est-à-dire des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Eh bien, je crois qu'il est facile de répondre, et on répond en deux mots. La grâce passe par la nature. On va à Dieu, réalité dernière, à travers les réalités intermédiaires de cette vie. Autrement dit, l'homme se réalise, c'est presque une tautologie, mais enfin, il faut le constater, l'homme se réalise par le contact avec le réel qui est en lui et qui est autour de lui. Donc, la forme de société qui éduque positivement les hommes est celle où les hommes ont le plus d'échange entre le réel. Ce qui implique une forme organique de la société, c'est-à-dire, et je reviens toujours sur cette question éternelle, qui n'a jamais varié et qui ne variera jamais, c'est-à-dire l'existence de groupes humains où les individus sont reliés les uns aux autres par un ensemble de liens concrets et vivants. Saint-Exupéry disait que la qualité d'un homme se juge au nombre et à la qualité de ses liens. Eh bien, quels sont ces liens? Le premier, je crois, c'est d'abord l'attachement à un passé, à une tradition. Tradition qui peut être familiale, locale, professionnelle, nationale, et qui est fait surtout de l'ensemble de ces traditions. Nous sommes en naissant même des héritiers. L'expérience du passé vivifie le présent, oui. La tradition est un capital donné à chaque être dès sa naissance. Non pas un poids mort, comme on le dit quelquefois, mais une somme d'expérience, d'effort, de réalisation, où nous puisons des exemples, des leçons, pas toujours des leçons positives, quelquefois des leçons négatives, mais précisément, c'est très intéressant de savoir ce qui a mal marché dans le passé, pour ne pas le reproduire. Cela fait partie de la tradition aussi. Comme disait l'autre, la sagesse est une méditation sur des gaffes. Et l'important quelquefois, c'est d'en avoir fait. Pas tellement d'en avoir fait, mais de méditer sur elle. Bon. Eh bien, tout cela nous fournit des leçons, tout cela nous fournit des orientations. Car nous n'oublions pas, à une époque où on ne nous parle que de l'avenir, n'oublions pas que l'avenir est parfaitement vide, que le passé est plein, qu'il est immuable, et que l'avenir, eh bien, est encore du néant, quelque chose d'indéterminé, que l'avenir n'est pas quelque chose qu'il faut rêver, mais qu'il faut construire au jour le jour. Et on ne peut le construire qu'en s'appuyant, qu'on le veuille ou non, sur des bases fournies par le passé. Nous n'avons rien à recevoir de l'avenir. L'avenir, au contraire, attend tout de nous. Il sera ce que nous le ferons. Oui. Malheureusement, on met le monde à l'envers. On s'appuie sur l'avenir. On n'a pas s'appuyé sur l'avenir. On s'appuie sur le passé pour aller vers l'avenir et pour le construire. Oui. Simone Weil allait même jusqu'à dire, peut-être exagérément, mais il y a du vrai, qu'un peuple sans passé, sans tradition, sans racines, est un peuple impropre au surnaturel. Nous revenons toujours à la parabole de la semence et du terrain. Et n'oublions pas non plus que la continuité, justement, est un attribut de la vie. Et dans un organisme quelconque, il y a une tradition, il y a quelque chose qui se transmet et qui ne s'interrompt jamais. C'est pourquoi, quand on nous parle de rupture avec le passé, eh bien, je me permets de sourire. D'abord parce que les mots souffrent tout, et que ce n'est pas possible.
Je me souviens de nos philosophes relativement connus, dont je préfère ne pas prononcer le nom, qui au début d'une conférence s'est écrié en tapant sur la table « Nous sommes les hommes des ruptures, de toutes les ruptures avec le passé. » Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, entre nous? Alors, monsieur, si vous êtes l'homme de toutes les ruptures avec le passé, commencez par vous taire, car vous parlez une langue, la langue française, qui est le fruit d'un passé millénaire. Et pour être compris, vous êtes bien obligé de la parler comme tout le monde. Et puis d'ailleurs, monsieur, vous-même, vous avez une hérédité, une innéité, un tempérament, un caractère, des habitudes, voire des habitudes dans la sottise. Ce sont des traditions, cela aussi, n'est-ce pas? Et elles sont solides comme les autres, car les traditions négatives sont aussi anciennes que les traditions positives. On n'invente pas davantage dans ce domaine, vous comprenez? Bon, eh bien alors, taisez-vous, et même suicidez-vous, ça vaudra mieux. C'est ça la rupture définitive. C'est ça la rupture définitive avec le passé. On n'est pas sûr de ne pas le retrouver, d'ailleurs, avec une ardoise un peu plus chargée de l'autre côté. Enfin, ce qui est une autre question, n'est-ce pas? Enfin, je vous le dis, le langage souffre tout. Eh bien donc, le passé, c'est le terrain d'envol vers l'avenir. Je le regrette beaucoup, mais les avions décollent de la terre, ils ne décollent pas du ciel. Oui. Ils y vont, oui. Donc, une tradition ne doit pas être conçue comme une sorte figée, évidemment. J'admets, j'approuve qu'on peut la corriger, l'enrichir, la purger de certains éléments caduques, y intégrer de nouveaux aliments. Mais c'est elle, tout de même, dans sa profondeur, qui nous fournit les critères de rajeunissement et de sélection. Je le répète, on peut sauter dans le vide, on ne saute pas à partir du vide. L'intelligence, par exemple, ne peut pas récuser le vrai, ni la conscience le bien, ni le sens esthétique le beau, puisque c'est à partir de ces valeurs qu'on en juge, n'est-ce pas? Mais oui. Le meurtre du père, d'ailleurs, qui est très à la mode aujourd'hui, et qui vaut très vite au suicide du fils, voyez-vous. L'orgueil humain, après avoir dilaté l'homme démesurément, devient très vite suicidaire. C'est ce que nous constatons aujourd'hui pour une infime partie, infime, je veux bien le croire, de la jeune génération qui, bien souvent, après avoir fait toutes les expériences sexuelles et autres, est bien aboutie dans la drogue, comme cela arrive quelquefois, avec cet admirable néologisme, se défoncer, oui, c'est-à-dire comme un tonneau complètement démoli, hein, ça va très vite vers le suicide, n'est-ce pas? Et ne l'oublions pas, voyez-vous, car c'est vers l'avenir que se regarde, le passé, au fond, il est fort intéressant. Mais enfin, nous ne pouvons rien y changer au passé. Ce qui est arrivé, et saint Thomas dit que Dieu lui-même ne peut pas faire que ce qui a été n'ait pas été. Ce qui m'inquiète dans le reniement du passé, c'est précisément l'avenir. C'est lui qui souffre le plus de la mutilation du passé. Quand je vois des racines se flétrir ou s'arracher, ce n'est pas tellement sur les racines que je pleure, c'est sur les fleurs qui demain risquent de se dessécher faute de fèves. C'est très grave. Chateaubriand le disait prophétiquement au début du siècle dernier, « Gardons-nous d'ébranler les colonnes du temple, on peut abattre sur soi l'avenir. » C'est admirable, hein, l'écroulement de l'avenir, oui. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un symbole, que le refus de l'enfant dans le monde moderne va de pair avec le meurtre du père. Hein? La chaîne est rompue dans les deux sens, n'est-ce pas? Quand on a vu l'année dernière ces femelles, enfin, le mot femelle est encore trop flatteur, n'est-ce pas? Car les animaux dans ce domaine nous sont infiniment supérieurs. Mais des êtres réduits au sexe et au cerveau, plutôt un cerveau un peu déboussolé, eh bien, qui communique son délire au sexe, quand on a vu donc ces êtres qui défilaient dans les rues pour réclamer l'avortement libre et gratuit, oui. Je viens de lire dernièrement, je suppose que ce n'est pas faux, mais que dans certains États américains, et je regrette, les frais concernant la pilule et l'avortement pouvaient être déduits du revenu, ce qui allégeait les impôts, n'est-ce pas? On voit que les États se mettent à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, quand on voit ces dames défiler en réclamant l'avortement à grand cri et son remboursement et tout cela, sécurité sociale et tout le reste, bon, passons. Eh bien, par moments, on se prend à regretter que mesdames leurs mères n'aient pas eu des principes aussi solides, n'est-ce pas? Cela... Cela vous débarrasserait de beaucoup de défilés superflus. Mais la vie n'est pas seulement une continuité, comme vous direz, c'est aussi une unité. Et une unité faite de solidarité et d'essence permanent, comme entre les membres d'un même corps dans la vie biologique. Je veux dire
que les valeurs éducatrices d'une civilisation ont besoin essentiellement de passer par le canal du contact immédiat de prochain à prochain, par le canal de l'exemple, par le canal de l'incarnation, qu'elles ont besoin de constituer un climat, une ambiance, une imprégnation, souvent inconsciente, un peu à la manière d'une dame d'eau souterraine, mais qui féconde l'homme de l'intérieur et influe par une osmose mystérieuse sur ses pensées et sur ses actes. C'est quelque chose de très important, presque d'irrationnel, mais l'irrationnel a une très grande part dans notre vie. Le climat, l'ambiance où nous vivons, et non pas des principes qui sont au-dessus de nos têtes et qu'on ne revoit pas la plupart du temps. Je me souviens, l'anecdote va extrêmement loin. Il s'agit d'une famille patriarcale. Il y avait tout de même des traditions, mais dont un des fils avait plutôt assez mal tourné. Une famille aristocratique, inutile de la citer, est relativement connue. Et le descendant de cette famille dont je vous parle, qui était un personnage qui vivait à Paris à cette époque-là, avait dû accepter, sous le gouvernement de Vichy, eh bien, un poste en province, un poste officiel, dans lequel il s'ennuyait mortellement, d'ailleurs. Voilà. Les petites communautés ont quand même bien des avantages, malgré leur cancan. Oui. Il était donc dans une petite ville, et je les vois arriver, parce qu'il avait des mœurs un peu, disons, un peu larges, si vous voulez. Bon. Alors je le vois me dire, enfin, c'est triste dans cette petite ville, je ne dis pas le nom de la ville, parce qu'on pouvait recouper, mon cher monsieur, un adultère est matériellement impossible. Il m'a dit, où voulez-vous aller chez moi? Il y a ma femme, chez elle, il y a son mari, il y a deux hôtels dans la ville. Bah, écoutez, on nous connaît, et la pleine campagne, eh ben, écoutez, c'est quand même inconfortable. Eh bien, là, je lui ai dit, c'est merveilleux, vous comprenez, ben, c'est malgré vous que vous êtes honnête. Mais enfin, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de ceci que, comme il était fonctionnaire dans des choses qui concernaient plus ou moins le ravitaillement, à cette époque-là, on lui a offert, il manquait d'argent, on lui a offert un pot de vin considérable pour donner je ne sais quelle licence, enfin, vous savez comment les choses se passent, dans le domaine de l'étatisme, n'est-ce pas? Bien. Et alors, à ce moment-là, cet homme qui avait besoin d'argent, qui avait peu de scrupules moraux, aussi peu que possible, par une espèce d'impulsion irraisonnée, a répondu non. Et après quoi? Après quoi, il l'a regretté. Et alors, je le vois me dire encore, c'est mon grand-père en moi qui a refusé. Eh bien, ah oui, mais ça, c'est une grande parole. Le grand-père était l'homme vénérable de la famille, enfin, c'est le grand homme de la famille, l'homme qu'on citait un exemple. Eh bien, tout cela a créé, je vous le répète, une espèce d'ambiance, et cela pénètre l'âme beaucoup plus qu'on ne croit. Car voyez-vous, on a beaucoup trop parlé de l'inconscient d'en bas, de ce lieu, eh bien, où règne les complexes, les inhibitions, que sais-je encore, les refoulements. Mais il y a aussi un inconscient d'en haut, si on peut dire. Un surmoi qui n'est pas négatif, comme le surmoi freudien, mais qui est positif et attractif. Autrement dit, il n'y a pas seulement l'inconscient des bas-fonds, mais il y a également l'inconscient des profondeurs, oui. Et voyez-vous, entre bas-fond et profondeur, il y a plus qu'une nuance. Malheureusement, trop souvent, dans la psychologie moderne, on appelle la psychologie des bas-fonds la psychologie des profondeurs, des RT. Mais enfin, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, c'est tout cela qui constitue un homme, oui. Ces influences, cela va bien au-delà du rationnel, cela pénètre les enfants, les jeunes, même sans qu'ils le comprennent, oui. Et les valeurs de la culture, c'est exactement du même ordre. Moi, je suis très inquiet devant cette culture dépersonnalisée, technologique, scolaire, désincarnée qu'on nous offre. La culture, ce n'est pas seulement affaire de spécialistes. Si c'est uniquement affaire de spécialistes, ce n'est plus la culture. Et j'irais même jusqu'à dire, d'une certaine manière, que s'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas le milieu, s'il n'y a pas l'ambiance, eh bien, ce qu'on apprend qu'à l'école, je dis qu'à l'école, eh bien, pratiquement, on ne le sait pas. Oui, j'exagère peut-être un peu, je vais peut-être un peu trop loin, mais il y a de cela. La culture doit être mêlée à la vie, comme le sel est mêlé à la mer, et sans cesse repensée, vivifiée, confirmée ou infirmée par l'expérience intérieure et extérieure.
Cela doit être un climat, une atmosphère, et non bagage intellectuel, comme je vous le disais il y a 10 ans, quand on parle de bagage intellectuel, il ne s'agit plus d'assimilation, vous savez, il s'agit d'avoir extérieur à l'homme, et quelquefois bien encombrant, oui. Quand je vois des parents, eh bien, dire, je pourrais donner un beau bagage intellectuel à mon fils, et on a envie de leur dire, le pauvre, plus il aura de valises, au moins il marchera vite, n'est-ce pas, oui. Encombré de tout son bagage. Alors, ce n'est pas ce qu'on avale qui compte, c'est ce qu'on digère, vous comprenez. C'est capital, vous comprenez. Alors, mieux vaut quelques fleurs, pousser dans un sang authentique, qu'une boutique de fleuristes, vous avez toutes les fleurs, mais coupées, oui, et qui se dessèchent très vite, tout de même. Et c'est pourquoi, très souvent, sur les intellectuels, dont se prend, à quelques exceptions près, à un certain nombre d'exceptions près, dont se prend une horreur grandissante, bien je constate presque constamment ces jeux, ce contraste tragique entre une espèce de pseudo-maturité de l'intelligence, ils savent tout, le contraste entre cette pseudo-maturité de l'intelligence et l'infantilisme, l'irréalisme de l'âme. Ils ont trop d'une chose et ils n'ont pas assez de tout le reste. Ils savent tout, mais comme disait l'autre, ils ne savent que ça. Et ça veut dire ne rien savoir, ne pas prolonger par l'expérience, ne pas l'avoir incarné, ne pas le vivre. C'est pour ça que c'est inquiétant quand tout devient scolaire. Quand je vois le sexe à l'école, par exemple, alors vous comprenez, ces pauvres gosses, d'abord on ne leur demande pas leur avis, on ne demande pas l'avis des parents, c'est un peu inquiétant de voir la pornographie qui est déjà sur tous les murs, dans tous les journaux et sur tous les écrans, de l'avoir passé à l'école quand même, c'est quand même annulé. Et puis, même si on garde la mesure, tout compte fait, un scolaire, est-ce qu'on va ajouter encore cette matière à tout le traînis scolaire? Est-ce qu'on va faire des pinsoum là-dessus? Mais les pauvres gosses, il y a de quoi les dégoûter à l'avance, avec des devoirs, avec des notations, on leur trace la route, on leur balise la route, mais qu'on leur laisse la joie de la découverte tout de même, ils y arriveront bien tout seuls, Et cet émerveillement devant le mystère, même si le sommet est un peu broussailleux, qu'il le débroussaille, mais évidemment avec des principes, avec une morale, mais qui ne rentre pas dans le détail. Et puis tout ça, c'est une affaire de climat. Mais personnellement, je ne me pose pas comme grand éducateur, je ne suis jamais c'est moi. Mais mes enfants ont tous eu, dans ce domaine-là, très jeunes, ils ont tous eu, sans savoir comment ils l'avaient appris. Comme ils avaient appris la langue française, si on peut dire, et parce qu'on parlait de ça, d'une façon naturelle partout, et ça ne les a pas étonnés du tout. Ça vient tout seul, mais cette espèce de plaqué, là, avec cette réflexion qu'on fait là-dessus, ce souci, cette préoccupation, cette lourdeur aussi, ce pédantisme, se moque de nous. Voilà le type même de la mauvaise éducation, vous comprenez. Et, voyez-vous, c'est un fait incontestable. Alors là, je tiens énormément que les valeurs de la civilisation se transmettent et se conservent mieux, infiniment mieux, dans les petits groupes. On revient toujours là à l'aération de la société. Dans les petits groupes où les hommes se connaissent, se contrôlent et s'entraident directement. Alors, je peux vous citer 1000 exemples. Vous me direz que j'ai 1000 exemples. Vous me direz que ces petits groupes, on ne peut pas le recréer. C'est à voir, oui. Je pose en fait ceci, qu'il y a des conditions qui me paraissent nécessaires. Quand des choses paraissent nécessaires, il faut essayer de les rendre possibles sous une forme ou sous une autre. Il ne s'agit pas de recréer le village médiéval, par exemple, ni même peut-être le village moderne, mais de faire quelque chose dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de la démassification, de la décentralisation, vous comprenez? Mais le problème insoluble à l'échelle des grandes concentrations, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient étatiques surtout, mille problèmes insolubles se posent à peine à l'échelle locale. Mettons la dissolution des mœurs. Moi, je veux bien, mais je vois un village, comme le mien, Dieu sait, vous savez, je ne vais pas l'idylliser, si on peut dire, car j'en connais les lacunes, j'en connais les misères, je sais le fiel et l'envie qui peuvent se cacher sous certains sourires, je connais les cancans, je connais tout cela. Il reste une chose, c'est que, depuis 30 ans, nous n'avons pas eu de divorce sur 1000 habitants. C'est comme ça, parce que ça ne se fait pas. Parce qu'on est porté par la communauté, parce qu'on est contrôlé par le voisin. Il reste qu'il y a dans l'ensemble de bonnes mœurs. Évidemment, il y a des flottements, c'est évident. Mais ce n'est quand même pas la même chose. 2 exemples que je peux vous citer, c'est pris sur le fait.
J'ai une voisine qui est amoureuse de son voisin et qui n'aime plus son mari. En plus, elle est amoureuse de son voisin. Elle m'a dit, écoutez, ce n'est pas l'envie qui manque, mais ça ne se fait pas. C'est tout. Bon, elle était en quelque sorte programmée. Il y avait une sorte de vertu viscérale, si vous voulez. Mais c'est mieux que rien. Et d'ailleurs, la théologie parle de vertus inviscérées. Hein? Ça va très loin quand ça rentre dans l'intérieur de l'homme. Ça ne se fait pas. Et pourtant, elle est amoureuse, elle n'aime plus son mari. Et autre exemple, dans un grand ensemble, je connais une femme qui aime bien son mari. Elle l'aime bien, peut-être. Elle ne l'aime pas tout court. Bon. Enfin, il est pas... Le mari est parti pour un long voyage. Il est arrivé un vague commis voyageur avec lequel elle est allée jusqu'à l'adultère. Alors je lui ai dit, mais enfin, vous l'aimiez? Il m'a dit, mais non, il ne me déplaisait pas. Et je m'ennuyais. Oui. L'ennui, c'est tout simplement là, pas de contrôle, hein. Pas de société, pas d'entourage, pas d'ambiance, absolument rien. Chacun fait ce qu'il veut. L'homme est une épave dans le flot. Bon. Les problèmes de la prostitution, ben, c'est la même chose, insoluble à l'échelle des grandes villes. On la campagne, mon Dieu, ben, ça arrive, quoi, c'est entendu. Les quelques-unes qui sont là sont même, c'est de un petit folklore du vice, quoi. Elles sont hautes en couleur, c'est plutôt pittoresque. Mais enfin, la prostitution industrielle est absolument impensable. Et ensuite, elles ne sont pas rejetées de la communauté. Elles sont même plutôt pittoresques. Bon, c'est un fait. La délinquance, ben, n'en parlons pas, il y a des chapardeurs un peu partout. Mais enfin, quoi, on est vu par les gens, enfin, c'est immédiatement attrapé, c'est contrôlé. L'exemple le plus crucial que je connaisse est celui d'un de mes compatriotes. À la fin, j'étais d'ailleurs le seul à lui serrer la main. Et qui, d'abord, était parti assez jeune, et puis à Marseille, il exerçait l'honorable profession de proxénète. Mais, ce qui est plus un peu de gangstérisme sur les bords. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, ayant totalisé un bon nombre d'interdictions de séjour dans les grandes villes, il est revenu au village là. Il a voulu installer une petite maison, enfin, vous comprenez, une maison accueillante, si on peut dire. Il a effectivement accueilli quelques moins de 18 et quelques plus de 65 dans sa maison, et si on peut dire, mais enfin, au bout d'un mois, il a croulé sous le mépris public et a fermé la maison. Évidemment, ça se voit, c'est impossible. Après, il a voulu s'aparder. Mais évidemment, immédiatement, il a été vu, connu, contrôlé, secoué. Et en dernière analyse, eh bien, n'ayant pas d'autres moyens, il s'est fait ouvrier agricole, et le soir, eh bien, quand je le voyais revenir du travail, je me disais, voilà tout de même l'honnête homme malgré lui, oui. Et peu à peu, ça pénétrait en lui. Je vous cite les cas extrêmes, mais enfin, c'est très net, vous comprenez. Et c'est là, je crois, qu'on puise le sens du devoir social. Le sens du devoir social va de soi avec le prochain qu'on connaît, qu'on touche directement. Il va de soi. Sauf exception dans le petit groupe. Il va de soi dans la petite et dans la moyenne entreprise. Comme le disait Simone Veil, il faut, pour qu'il y ait vraiment éducation, que l'homme sente le lien entre lui et son travail, entre lui et ses semblables. Autrement dit, il faut qu'il exerce des responsabilités directes et personnelles. Il faut qu'il sente que quelque chose dans la communauté, dans le travail, dépend de lui et de lui seul. Et dans ce domaine, Dieu sait si j'attache de l'importance à une compétition saine avec les risques et les sanctions correspondants. Il faut qu'il y ait des difficultés à vaincre. On l'oublie trop aujourd'hui. C'est le sens de la difficulté qui est éducateur avant tout. Mais je vous le répète, on dit aujourd'hui n'importe quoi. Ça c'était une réunion il n'y a pas tellement longtemps, où il y avait un recteur d'université, ce sont des gens très bien, n'est-ce pas? Bien, j'avais un petit peu attaqué certains procédés d'instruction presque uniquement audiovisuels, c'est-à-dire l'abus des facilités, qui ne favorisent pas la culture. Il m'a dit, monsieur, eh bien tous ces moyens, toutes ces facilités sont ordonnées pour faciliter la créativité de l'enfant. Excusez ce néologisme, vous comprenez, en général, plus on en parle, moins il y en a. Toutes les fois qu'on crée un néologisme, eh bien, c'est qu'il désigne une chose qui est en voie de disparaître. Et d'ailleurs, eh bien, toutes les facilités ne peuvent qu'encourager l'effort. Là, je lui ai dit, monsieur le recteur, je ne comprends plus. Je m'ai toujours cru que la définition du mot effort impliquait des difficultés à surmonter, vous comprenez. Et que plus vous créez de facilités, moins vous avez d'efforts.
Par exemple, si vous donnez un ascenseur au lieu d'imposer une ascension, vous montez peut-être plus vite, mais ne me parlez pas de sens de l'effort tout de même. On ne fait pas d'effort dans l'ascenseur. Mais enfin, on en est là, vous comprenez. Et c'est pourquoi, vous les jeunes, vous savez, la difficulté, c'est très important. Au début, c'est un peu amer, oui. Comme disait le poète, hein, tout commence en refus et finit en largesse. Mais si on veut que ça commence en largesse, en général, ça finit en refus, oui. Moi, personnellement, la langue latine, je l'ai apprise sur de vieilles méthodes qui devaient dater du roi Louis XVIII. Dans lesquels il n'y avait pas, il y avait des règles, il n'y avait pas une ombre d'exemple, il n'y avait pas de traces d'images, on n'était pas dans l'audiovisuel. Je me tuais à étudier, je me disais tout de même, si j'avais quelqu'un qui m'explique ça, hein, comme dans un petit exemple concret, ça irait plus vite. Eh bien, je ne sais pas, peut-être j'exagère dans mon sens, mais quand je n'ai pas lu 10 ou 12 heures pour surmonter la difficulté, eh bien, ça se gravait pour la vie, vous comprenez, dans l'esprit. Tandis que si j'avais eu tout massé immédiatement, j'aurais avalé, dirais plus vite, mais j'aurais peut-être éliminé plus vite aussi, car les... Et on reçoit trop aujourd'hui. On avale trop, peut-être, alors évidemment, on élimine à proportion. On devient des passoires, vous savez, il se produit beaucoup de diabète spirituel. L'étymologie diabéine passée au travers, oui, au lieu de digérer, bon. Des difficultés à vaincre, mais des difficultés à la mesure de l'homme, justement. Eh bien, c'est précisément le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans bien des milieux, où l'on oscille sans fin entre la facilité exagérée et l'impossibilité. Notre civilisation, enfin, une partie de notre civilisation, une certaine tendance de cette civilisation, tend, d'une part, à abolir le sens de l'effort, en multipliant les facilités. La civilisation presse bouton dont on a tant parlé. En multipliant les facilités. Mais quand la machine se détraque, quand le système ne va plus, alors on se heurte à l'impossibilité pure et simple. On oscille entre l'un et l'autre, vous comprenez? Eh bien, par exemple, quand vous êtes en contact avec la nature, tout le monde ne veut pas y être, mais enfin... C'est éducateur, oui, parce que la nature ne fait pas de cadeaux, hein, il n'y a pas l'ombre d'un doute, oui. Elle est terriblement indifférente à l'homme. Elle présente des difficultés, mais enfin elle ne présente pas d'impossibilités, sauf dans le cas d'ouragans terribles, d'intempéries exceptionnelles, mais enfin, c'est plutôt rare. On arrive à s'en tirer en se mesurant avec la nature. Tandis qu'avec les techniques, c'est bien avec ces merveilleuses techniques, tout va très bien. Tout est facile, rien ne coûte rien tant que ça marche, mais quand ça ne marche plus, on ne peut plus rien. Si vous êtes coincé dans un ascenseur, eh bien, par une panne d'électricité, eh bien, entre le 27e et le 28e étage, il n'y a rien à faire qu'à attendre que la machine revienne, hein. Ou au fond du métro, ou n'importe où. Ce qui fait, cette conséquence tragique, que l'homme moderne est infiniment plus désarmé devant les lacunes de la technique, que ses aïeux ne l'étaient devant les rigueurs de la nature. C'est aussi un problème important à considérer, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce domaine de l'éducation, justement, par les responsabilités, dans cette éducation par les responsabilités, qui est la condition de l'éducation des hommes, je crois qu'il est très important, eh bien, de souligner le rôle capital que joue la propriété privée. Je ne crains pas de le dire aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts. Et de tout ce qui passe par la propriété privée. Car nous assistons à la fabrication à la chaîne, à la fabrication en série d'irresponsables par le fait même de la propriété collective et à la limite par le fait de l'État monopoliste. Eh bien, je crois que cette destruction de responsabilité, c'est là une évidence hurlante. Et par là, c'est la mort de l'éducation des hommes, vous comprenez? Ce que peut représenter le service public, ah oui, vraiment, ah, ça n'éduque pas ceux qui le représentent, je vous prie de croire, sauf peut-être quelques-uns, mais les meilleurs même, ceux qui auraient de la bonne volonté, eh bien, sont en quelque sorte annihilés par le système, neutralisés, n'étant pas à leur place, ne trouvant pas les collaborateurs voulus, n'étant pas responsables, ne pouvant pas imposer leur autorité, il y a toujours quelqu'un au-dessus, et puis personne ne veut se mouiller en dernière analyse, car tout le monde se sert des parapluies, personne ne veut se jeter à l'eau. Vous comprenez, je ne sais pas, moi, quand je vois en France, par exemple, alors, quand on voit ce qu'est le téléphone aux États-Unis, vous le demanderiez du fond du, je ne sais pas moi, de n'importe quelle province, eh bien, vous l'avez dans les trois jours, n'est-ce pas? Et ce qu'il est en France? Eh bien, c'est amusant.
Moi, les histoires du téléphone l'année dernière, enfin, ça a été une véritable épopée. Mais c'est là qu'on mesure vraiment que le métier n'éduque personne. Enfin, bon, il y a eu une panne qui a duré 17 jours à la campagne, s'il vous plaît, parce qu'il y avait eu de la neige. Bon, neige exceptionnelle, moi, je veux bien, bien. Après, on a eu une quinzaine de jours de panne parce qu'il pleuvait. Bon. Après, on a eu une quinzaine de jours de panne parce qu'il y avait du mistral, enfin, ça souffle toute l'année en Provence. Et puis encore de nouveau 15 jours parce qu'il y avait eu des coups de tonnerre, des orages. Alors là, je me suis tout de même fâché. Alors, évidemment, j'ai écrit plutôt une longue conversation, après quoi j'ai fait une lettre ouverte qui est parue dans un journal au directeur des téléphones, enfin, je lui ai dit tout de même bizarre, enfin, et quand on a un contrat avec l'administration, eh bien, c'est qu'on espère qu'on pourra un jour se servir de cet appareil, eh bien, qu'on ne se contente pas simplement, eh bien, de contempler un appareil impuissant qui semble, suivant le mot du poète, avoir déjà pris place en l'éternel silence, n'est-ce pas? Comme c'était le cas, mais ça durait sans fin, enfin, on n'en finissait plus. Alors il m'a dit, mais les intempéries, je lui ai dit, monsieur, alors dites-moi que le contrat est valable, eh bien que si le vent n'est qu'un zéphyr, si la pluie consiste dans quelques gouttes d'eau rafraîchissantes, si la neige, eh bien, ne tombe que par flocons poétiques, que si le tonnerre n'existe jamais, autrement dit, que s'il règne une harmonie et une tempérance des éléments certainement supérieures à celles qui devaient régner dans le paradis terrestre. Il faut tout de même s'entendre, bien, mais... Alors il m'a dit, écoutez, je suis seul, je ne peux pas, évidemment, personne ne sait pas, à ça, qui commande, comme disent les paysans quand ils arrivent quelque part, bien. Et alors il a eu ce mot magnifique, je le retiens encore, il a résonné dans ma tête, il m'a dit, mais enfin, monsieur, est-ce que vous croyez être le seul? Alors là, sur le coup, je me suis senti un peu coupable, un peu comme un passager qui, sur un bateau en perdition, chercherait à se sauver au détriment, eh bien, de ses compagnons d'infortune. Mais alors, je me suis repris tout de suite, je lui ai dit, le grave, c'est que je ne sois pas le seul, sûrement, puisque tous vos abonnés sont dans le même état, alors que vaut votre bazar, enfin, il faut tout de même s'entendre. Enfin, écoutez, nous en sommes là, et c'est d'une évidence tellement aveuglante que ce n'est pas la peine d'insister, vous comprenez bien. Alors, voyez-vous, au fond... Qu'est-ce qu'il reste, oui. Évidemment, je sais bien, service public qui se moquait perdument du public, oui. Contrat sens unique, aucune solidarité entre les deux parties, comment voulez-vous éduquer les hommes dans ces cas-là? Bien. Alors, ajoutez à cela, à toute cette ambiance, la propagande démagogique, bouillon de culture pour le sentiment d'irresponsabilité. Quand on voit sur des affiches, comme vous en avez vu, les affiches électorales, il vaut mieux ne pas les lire, car on désespère de l'espèce humaine, mais enfin, passons, bien. Par exemple, ceci, voter tel parti, tout est possible. Tout est possible, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, tout est possible, non pas si vous travaillez bien, ça n'a aucune importance. Il suffit de bien voter. Oui. Alors, par quel miracle ça arrivera? Alors là, c'est un autre problème. Alors, l'irresponsabilité qu'on cultive, on la cultive en même temps que le sens de la revendication. C'est le contraire même de l'éducation, vous comprenez? Le droit à ceci, le droit à cela, quoi? Bah oui, le droit à l'amour, le droit à la santé, moi je veux bien, le droit à l'avortement, le droit à la liberté sexuelle, pourquoi pas le droit à l'intelligence pour tous les hommes et à la beauté pour toutes les femmes? En si bon chemin, on ne s'arrêtera pas, vous comprenez? Enfin... Puis alors, il faut que l'État fasse ceci, fasse cela. Enfin, c'est vraiment la perte, c'est l'éducation à l'envers. Et puis, quoi, j'ai une amie qui est professeure de faculté. Elle enseigne un cours de psychologie. Un cours de psychologie qui habilite les gens, eh bien, pour s'occuper d'enfants plus ou moins déficients, ce qui est d'ailleurs une profession, ben, fort sympathique. Seulement, elle les a avertis, au début du cours, ça mène à cette situation. Je vous avertis que cette situation est déjà largement encombrée. Et alors, vous êtes averti, vous trouverez difficilement un emploi. À quoi un élève révolutionnaire a répondu, l'État n'a qu'à créer des emplois. Ah, à quoi elle a répondu, mais il faudra aussi créer des enfants déficients en proportion. Enfin, que voulez-vous? Alors, s'il y a trop de médecins, par exemple, ben, il faut répandre la peste dans le pays pour que les médecins aient du travail. S'il y a trop de fabricants d'instruments de prothèse, eh bien, casser les jambes, et tout le monde travaillera. Mais c'est tout à fait dans la logique de l'irréalisme qu'on nous enseigne à tout moment, vous comprenez? Alors par là, voyez-vous, la collectivité telle qu'elle existe trop souvent aujourd'hui est corruptrice au lieu d'être éducatrice, oui. L'État moderne, en gros, est un mauvais éducateur dans les deux sens. Car d'une part, il permet presque toutes les licences. Voyez les abus de pouvoir des groupes de pression.
celle des corrupteurs dans tous les domaines, des pornographes, du papier, de l'écran, de tout ce que vous voudrez, du journal, de tout. On peut tout écrire, on peut tout étaler. Les apôtres de la subversion font presque absolument tout ce qu'ils veulent. On est d'une faiblesse coupable à l'égard des criminels. Les criminels sont bien plus précieux que les victimes, vous comprenez? Les larmes, comme disait l'autre, sont réservées à ceux qui les font couler. Maintenant, oui, c'est bien connu, n'est-ce pas? Alors voyez cette faiblesse criminelle, dans tous les côtés, on permet à peu près tout. Et en même temps, n'est-ce pas? Eh bien, le même État freine et paralyse la plupart des vraies libertés. Liberté de posséder, liberté d'entreprendre, liberté d'élever nos enfants comme nous le voulons. Quand on voit ce que représente une certaine scolarité obligatoire, enfin, des pauvres malheureux qui n'ont aucune vocation intellectuelle, qui auraient une vocation manuelle, qu'on fait traîner sur le banc des écoles pour en faire des aigris, alors qu'ils pourraient commencer à travailler, tous les professeurs de bon sens vous le diront, c'est monstrueux. Enfin. Alors cette liberté-là, on ne l'a pas. Alors où est l'éducation, vous comprenez? Alors de telle façon que les hommes plus ou moins ruinés par l'impôt, par l'inflation de l'État vampire, eh bien ne peuvent que se jeter dans les bras de l'État providence, oui. Et de sorte que l'État réalise, eh bien ce paradoxe dont parlait déjà Paul Valéry, qu'il repose, que la politique repose sur deux principes. Primo, eh bien, empêcher les hommes de s'occuper de ce qui les regarde, et secondo, les faire décider sur ce à quoi ils n'entendent rien, n'est-ce pas? Dans le bulletin de vote, eh bien, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, eh bien, alors donc, la collectivisation, voyez-vous, est le tombeau de l'éducation, car en dernière analyse, on n'éduque que des hommes libres, oui. Alors, pour le moment, évidemment, c'est plutôt l'anarchie qui domine, mais l'anarchie n'a qu'un temps, et elle appelle la tyrannie, où l'État tout-puissant, alors, remplace l'éducation de l'homme par le dressage de l'animal, pour ne pas dire par la mise au point de la machine, car ce serait encore trop beau si on nous traitait comme des animaux, oui. Eh bien, tout est là. Sans parler du mensonge éhonté, eh bien, qui nous déséduque, si on peut dire, en nous fournissant des ersatz de la fraternité perdue. On a ruiné les communautés naturelles, tout ce qui constitue la famille, tout ce qui constitue les entreprises à portée d'homme. On n'a pas ruiné complètement, Dieu merci, mais enfin, on est en voie de le faire, n'est-ce pas? On a détruit donc les communautés naturelles. Et à l'heure où l'homme se décharge de plus en plus de ses responsabilités éducatrices, de ses responsabilités réelles envers son travail, envers son prochain, à l'heure où, comme je vous le disais à l'instant, personne ne veut plus se mouiller ou se jeter à l'eau, bien par une hypocrisie monstrueuse qui n'est qu'une compensation, car on ne peut pas se passer de ses malheurs, et on en sort la caricature quand on en a perdu la forme. Par une hypocrisie monstrueuse, alors, eh bien, on nous charge de responsabilités lointaines et imaginaires sur des choses qui ne nous concernent pas. L'éducation de nos enfants, aucun intérêt. Nos ouvriers, ça en a très peu. Les syndicats se chargeront d'eux, n'est-ce pas? Le patron n'a rien à faire avec eux. Bon, ainsi de suite, enfin. Le prochain, le voisin de palier, tout cela n'a aucune importance. Mais vous êtes concernés par ce qui se passe en Patagonie, n'est-ce pas? Ou au Vietnam, vous êtes concernés. Autrefois, on disait, cela vous concerne, mais enfin, on a créé un néologisme, cela vaut bien la peine, oui. On ne connaît plus son prochain, mais on s'excite sur le plus lointain. On s'excite d'ailleurs d'une façon tout à fait gratuite et très confortable, car cela ne tire nullement à conséquence. Mais voyez, vous êtes tous responsables. Il se commet un crime à Pampelune, c'est moi qui suis responsable, comme membre de la société, mais je récuse cette responsabilité. Je trahis déjà un assez bon nombre de responsabilités qui m'incombent à moi, pas toujours par ma faute, quelquefois par ma paresse et quelquefois par surmenage, sans que j'aie à m'occuper de ce qui se passe au bout du monde. Mais enfin, c'est ça, l'exemple le plus effroyable que je connaisse. Eh bien, ça s'est passé dans une ville de France. Et les journaux, eh bien, vous rapportent des faits analogues à peu près tous les jours. Une femme de 37 ans, je suppose qu'elle n'était peut-être pas tout à fait normale, je veux bien, je ne la connais pas, a été trouvée morte dans un immeuble locatif, n'est-ce pas, comportant un nombre très grand de locataires. Elle a été trouvée morte, et la mort remontait, d'après le médecin légiste, à 3 mois. Et vous savez par qui a été trouvé le cadavre? Eh bien, devinez, il a été trouvé par le propriétaire qui était inquiet de son loyer. Il y avait au moins quelqu'un qui pensait à elle, la pauvre. Eh bien, c'était le seul. Eh bien, tout de même, c'est tragique, oui. Pas un ami, pas un parent, pas un voisin de palier qui s'est inquiété de cette disparition. Et peut-être dans le même immeuble,
On trouvait plusieurs personnes prêtes à manifester pour le Vietnam, alors. Et à descendre dans la rue, vous comprenez. Alors là, eh bien, il y a tout de même une crise qui est d'une gravité exceptionnelle, vous voulez-vous. Bon, eh bien, tout cela aussi, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Tout cela n'est possible, de telles aberrations ne sont possibles, qu'à cause, il faut bien le reconnaître, qu'à cause de l'économie d'abondance dans laquelle nous sommes plongés. Et dont je ne dirais aucun mal, car il vaut mieux l'abondance que le manque. Mais justement, cette économie, eh bien, nous apporte de telles richesses qu'elle permet de très grands dérèglements, comme de grands dérèglements sont permis aux riches plus qu'aux pauvres, aussi longtemps qu'ils sont en train de se ruiner. On n'est jamais si riche que quand on est en train de se ruiner, c'est bien connu. C'est quand on est ruiné que ça ne va plus. C'est comme disait l'homme sautant du 7e étage, quand il est passé à la hauteur du 2e, il a dit à quelqu'un qui était sur son balcon, tout va bien pour le moment, oui. Ça allait bien. Mais pour la société, c'est exactement du même ordre. Dans les époques de pénurie ou d'économie relativement moins abondante, eh bien, de telles aberrations, de tels dérèglements auraient entraîné la famine à brève échéance, ce qui aurait ramené les hommes à la raison. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est ce que nous voyons partout. Et les progrès des techniques, eh bien, ont pour rançon, que ça n'a rien à voir avec les techniques, mais les progrès des techniques ont pour rançon les ravages des idéologies, précisément, qui peuvent se permettre mille folies, parce que, ma foi, la vie matérielle est assurée, alors on peut se dérégler, oui. Alors, faut-il parler encore de l'éducation à rebours, dispensée par la triste race des intellectuels dont je vous parlais tout à l'heure, espèce de ver installé dans le fromage de l'économie d'abondance, et qui disent impunément n'importe quoi, leurs idées n'étant jamais confrontées avec le réel, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je pense à l'admirable formule de Victor Hugo, quand il nous dit que toute idée exprimée est une responsabilité engagée. Ah ben, c'est admirable, mais écoutez, on en est infiniment loin. Quand on voit une bande d'intellectuels, par ailleurs parfaitement inoffensifs, on connaît quelques-uns, c'est le pire de tout, bon père et époux fidèle quelquefois, bon, bien qui vous exalte le marquis de Sade, qui devient le maître à penser d'une partie de la jeunesse actuelle. Enfin, le marquis de Sade, c'est mon compatriote, vous comprenez. C'est là l'opinion publique, mesdames et messieurs, c'est tout de même un peu fort. Le marquis de Sade, il a donné naissance à un nom commun. Ça, c'est le sommet de la gloire, le manfredisme. Bien, mais enfin, écoutez, alors là, la famille Sade, bon, c'est extrêmement amusant. Eh bien, au début, mais alors je vous signale ce fait, parce que c'est un phénomène sociologique très important, pour vous mettre en garde contre la force de l'opinion. Il n'était pas très fier du divin marquis, vous comprenez, hein? De telle façon que, après que Napoléon a fait enfermer le digne homme à Sarenton, n'est-ce pas, eh bien, ses livres étaient plus ou moins publiés sous le manteau, la grande encyclopédie, je crois, vers les années 1840, a donné une biographie, eh bien, du marquis de Sade, dans laquelle il était parlé de ses infâmes écrits. Le comte de Sade, son fils, eh bien, a intenté un procès à l'éditeur pour diffamation. Seulement, évidemment, l'éditeur a été relaxé, pour la bonne raison que M. de Sade, ayant publié des livres, il donnait droit à la critique. Ce n'était pas la diffamation personnelle, bon. Eh bien, ma foi, on n'a pas même osé mettre son nom sur sa tombe à 40 ans. Et l'année dernière, la gloire étant arrivée, le comte de Sade donne des grandes fêtes en l'honneur de son illustre ailleurs. Mais c'est la vie, cela. Enfin, quand on fait du marquis de Sade un maître à penser, tout de même, des bons professeurs inoffensifs, le maître évolu de la subjectivité absolue. C'est parfait. Le désir assassiner une femme, ben, il a le droit, c'est la subjectivité absolue. Peut-être que ça ne correspond pas parfaitement à la subjectivité de la femme en question, qui voudrait vivre. C'est un autre problème. Mais si après avoir écrit toutes ces élucubrations sur le divin marquis, comme ils disent, le professeur en question rentrant chez lui, eh bien, trouver sa femme ou sa fille massacrée par une émule moderne du cher marquis, je me demande comment il le prendrait, vous comprenez? Eh bien, tout le problème est là, eh bien, on est obligé tout de même de souligner ces choses-là, que voulez-vous. Alors, dans la démission générale de l'État, d'abord, d'une bonne partie des corps constitués, comme l'université, comme la justice, bien souvent de l'Église même, dans certains de ses aspects temporels et sous la plume ou dans la bouche de certains membres de sa hiérarchie. Eh bien, la responsabilité de l'éducation des hommes repose de plus en plus sur le petit. Sur des hommes qui soient à la fois défenseurs des lois naturelles, c'est dans le programme de l'action de Jean Housset, défenseurs des lois naturelles et des lois divines, c'est également dans le même programme, qui sont violés simultanément
et corrélativement. L'antinature enlève au surnaturel la plupart de ses possibilités d'éclosion. Et réciproquement, la perte du sens de la dimension divine bouleverse l'ordre naturel. C'est Chesterton qui disait avec son admirable bon sens, ôtez le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. Ça s'est bien vérifié depuis. En d'autres termes, il n'y a pas de Dieu sans nature et il n'y a pas de nature sans Dieu. Ça ne fait qu'un, oui, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce que nous avons à défendre? La loi naturelle. La loi naturelle. D'abord dans la nature elle-même. Je ne vais pas vous faire un cours d'écologie, mais enfin, on en parle trop aujourd'hui. Quand on me parlait il y a 20 ans, on me traitait de farfelu, maintenant on me trouve de retardataire, parce que ça devient une espèce de névrose aussi, la peur de la hiérarchie, pollutionnite maintenant. Bon, passons, enfin, et cela existe quand même, protection de la nature, n'est-ce pas? C'est même curieux que l'homme soit arrivé à un tel degré de puissance qu'il ait besoin de protéger la nature, alors qu'autrefois, c'est lui qui avait plutôt besoin d'être protégé contre la nature, Seigneur. Et quand il l'a massacré, il a toujours fait tout le mal qu'il a pu, l'homme, n'est-ce pas? Mais enfin, quand il l'a massacré, il avait de si faibles moyens que c'était quand même des piqûres de mousse sur un éléphant, vous comprenez? Tellement la nature était immense, elle était puissante. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, la situation s'est retournée. Maintenant, ce n'est pas la nature qui est la plus forte, c'est l'homme qui est le plus fort. Et il faut qu'il vienne au secours de la nature, hein, au secours de sa mère. Et puis, non seulement cette nature-là, mais la nature, au-delà de tout l'environnement possible, tout ce qui concerne le droit naturel, qui est également le droit humain. Alors, protection de la nature, sous tous ses aspects, et je dirais même, et je voudrais que cela vous fasse sentir, la responsabilité exceptionnelle qui pèse sur les générations modernes. Non seulement protection de la nature, mais également protection de Dieu, d'une certaine manière. Car Dieu a une apparence, mais nous vivons dans un monde d'apparence, ne l'oublions pas, qu'il s'agit de rendre transparente, c'est entendu. Mais dans l'ordre des apparences, Dieu semble se retirer d'un monde en proie au vertige, d'une part de ses conquêtes matérielles, et d'autre part de ses folles idéologies. Je me répète souvent les vers prophétiques de Mistral que je suis malheureusement obligé de vous traduire. Il nous décrit l'homme maîtrisant à son gré la nature et devant l'homme souverain, Dieu pas à pas se retirant. Oh, la formule est absolument impressionnante. Car Dieu aujourd'hui, c'est un grand mal, mais c'est peut-être un bien pour les êtres d'élite. Dieu n'est plus soutenu comme il l'était autrefois, soutenu dans l'âme des hommes, évidemment, pas en lui-même. En lui-même, il ne risque rien, il n'y a pas de doute. Dieu n'est plus soutenu par les mœurs, par les lois, par l'ambiance générale, par le conformisme, par le respect humain, par tout cela, oui. Eh oui. Il est soutenu par quoi? Par des individus, par de petits groupes. Je dirais même que, d'une certaine manière, il faut sans cesse remettre au monde celui qui nous a mis au monde. Et que Dieu ressemble de plus en plus à un orphelin qui serait précisément l'orphelin de ses propres enfants, oui. Il y a une sorte de devoir d'être père vis-à-vis d'un Dieu orphelin, de le remettre au monde, en ce monde, bien entendu, de sauver un Dieu qui fait naufrage dans le cœur des hommes. Eh bien, voyez-vous, je crois que ceci me paraît absolument capital. Autrefois, je vous le disais, la faiblesse des hommes leur interdisait de tels excès. La force des choses, en quelque sorte, quand l'homme déviait trop, eh bien, le ramenait automatiquement dans le droit chemin. Si on avait déraisonné comme aujourd'hui, on serait en pleine famine. Ce n'est plus le cas. Eh bien, je conclurai en vous disant, et alors je vais un peu céder à la manie moderne. Je ne le fais pas exprès, mais j'ai lu ça récemment. Parce que vous savez maintenant, citer un père de l'Église, citer Bossuet, que j'ai cité d'ailleurs, faire n'importe quoi. Non, il faut citer Freud, Nietzsche ou Marx. Ou quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Nietzsche passe. Bon. Mais là, je vais vous citer Freud, que je n'aime pas du tout. Mais enfin, quand Freud est quelque chose d'intelligent, on peut tout de même l'accepter. Eh bien, Freud nous dit, cette chose élémentaire qui était d'ailleurs trouvée avant lui, qu'il n'y a que deux vraies forces éducatrices au monde, la nécessité et l'amour. Eh bien, je trouve ça parfait. Et dans bien des cas, hélas,
la civilisation moderne, en multipliant les écrans entre nous et la réalité, nous soustrait à l'une et à l'autre, à la nécessité et à l'amour. À la nécessité par le grand nombre des facilités qu'elle nous procure, et à l'amour également, eh bien, en déliant eh bien, les liens qui nous unissent à notre prochain, ce qui rend l'amour plus difficile parce que le contact est supprimé. Eh bien, mesdames et messieurs, la nécessité, l'amour, eh bien, c'est admirable. La nécessité qui nous pousse par derrière et l'amour qui nous attire en avant. C'est merveilleux pour Marseille, cela, oui. Eh bien, ces deux formes, ne l'oublions pas, deviennent aujourd'hui de plus en plus convergentes, infiniment plus qu'autrefois, à cause, justement, de cette terrible et si fragile toute-puissance de l'homme sur la création. Et je vous dirais même que c'est à l'heure où l'homme semble, en apparence, pouvoir le plus passer de Dieu, que c'est à cette heure même que la prière et l'humilité sont le plus tragiquement nécessaires, sous peine d'un anéantissement peut-être, non pas comme ça dit d'une fraction de l'humanité, mais de l'espèce humaine tout entière. Oui. J'aime beaucoup une sorte de texte, paraît-il apocryphe, qui narre un dialogue entre Néron et Sénèque, dans lequel Néron disait à Sénèque, « Sais-tu que ma puissance égale presque celle des dieux ?» Et Sénèque lui aurait répondu, « Tu dois d'autant plus redouter les dieux et les prier que ton pouvoir se rapproche davantage du leur. » C'est vraiment admirable, car en effet, il y a de quoi faire tout sauter dans ce pouvoir-là, et toi-même d'abord. Eh bien, par là, nous voyons que seules ces vertus chrétiennes, si calomniées aujourd'hui, l'assaisent, la modération, les sacrifices. Il en faudra peut-être des sacrifices, ne serait-ce que pour sauver la nature sur laquelle nous vivons. On y arrivera tôt ou tard, tout le monde le prévoit d'ailleurs, eh oui. Eh bien, seules ces vertus chrétiennes peuvent élever notre sagesse à la hauteur de nos pouvoirs. C'est le grand problème actuel. On a cru au XIXe siècle, au début du XXe, on a cru en progrès global de l'humanité, on s'est imaginé que le progrès moral croissait en fonction du progrès matériel. Ce qui a été la grande illusion du XIXe siècle et du début du XXe. Mais il y avait une part de vérité dans cela. Car si le progrès matériel n'entraîne nullement le progrès moral et spirituel, si quelquefois même il produit le contraire, s'il ne l'entraîne pas automatiquement, il n'existe. C'est un autre problème, ce n'est pas la même chose. Il existe, et sous peine de mort, je le répète, oui. Eh bien, voyez-vous, ceci, je crois, est essentiel. Je voudrais que ces quelques mots vous fassent sentir votre responsabilité dans l'éducation des hommes. Et non seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, où nous sommes tous groupés, je vous parlais de milieu social. Eh bien, nous l'avons ici, le milieu social. Et autant que j'en puisse juger, il est tonique, il est réchauffant, il est même exaltant. Seulement, ça ne durera pas. Non seulement aujourd'hui, mais demain. Quand nous serons tous dispersés dans un monde hostile, quelquefois délirant, quand la pression sociale, quand la mode, quand le conformisme, quand le grand nombre, quand le respect humain joueront contre le bon sens et contre l'idéal, oui, quand les lampions de la place publique effaceront l'éclat lointain des étoiles fixes, bien, quand vous serez seul dans votre foi contre les idoles de la foule, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra vous souvenir de ce que furent les journées d'aujourd'hui. Je pense à une devise, à la devise d'une grande famille française, je ne sais pas si c'est Clermont-Tonnerre, je peux me tromper, devise admirable d'ailleurs, une vraie devise de la chevalerie, « Si omnes, ego non ». Si tous, moi pas. Eh bien, c'est admirable. Si tous choisissent le mal, si tous choisissent la médiocrité, eh bien, moi, non. Eh bien, c'est admirable, cela. Et voyez-vous, je crois que pour la jeunesse, rien n'est plus exaltant, au fond, de pouvoir se dire quelquefois « si tous, moi pas ». Si tous consentent, moi non. Si tous capitulent, moi non. C'est exaltant, parce que qu'on le veuille ou non, et en cela je me suis toujours senti terriblement jeune, car ce n'est pas un état de l'âge, c'est un état de disponibilité intérieure. Eh bien, il y a dans la jeunesse un levain d'anarchie, qui me paraît extrêmement sympathique, et qui,
dans les époques normales, dans les époques équilibrées, peut devenir dangereux. Mais aujourd'hui, c'est merveilleux, parce que ce besoin d'originalité, ce besoin d'anticonformisme et de révolte qu'ont les jeunes, eh bien, ils peuvent l'apaiser en faveur de l'éternel. La vraie révolution, maintenant, c'est de défendre l'ordre. C'est merveilleux, nous sommes tous plus ou moins révolutionnaires. Eh bien, nous pouvons nous permettre d'être révolutionnaires dans le bon sens, si on peut dire. Faire le bon sens est devenu le paradoxe, précisément. On n'en veut plus. Alors, c'est merveilleux d'être à la fois, comment dire, révolté et défenseur de l'ordre. Eh bien, c'est ceci. Eh bien, voyez-vous, je voudrais simplement que cette voix que je vous ai apportée, et qui encore une fois témoigne de vérité, que je n'ai pas fabriquée moi-même, qui ne porte mon estampille à aucun degré, je voudrais que cette voix, qui est plus ou moins prête à s'éteindre ici-bas, eh bien vous aide, si peu que ce soit, à écouter en vous le silence de Dieu, au-delà des bruits de la place publique. Oui. On nous parle beaucoup aujourd'hui de retour aux sources, et précisément, on parle de retour aux sources, on ferait mieux de parler de retour au chaos originel, ça irait mieux. On parle de retour aux sources pour légitimer, pour justifier les pires égarements. Eh bien, je vous convie à un vrai retour aux sources. Seulement, n'oublions pas que pour retourner aux sources, la condition première consiste à savoir ramer à contre-courant, n'est-ce pas? Oui, je ne pense pas qu'on retourne à la source en s'abandonnant au courant, oui. Eh bien, il s'agit donc de remonter le courant, aidés par nos frères, par les petits groupes que nous pouvons constituer autour de nous, et quelquefois, à la limite, et cette limite, il faut la concevoir, avec Dieu seul pour allier, avec Dieu qui a dit, même si le monde entier est contre nous, à Dieu qui a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Et en cela, eh bien, nous ne cesserons pas de nous considérer, comme le veut l'Évangile, comme des serviteurs inutiles, mais nous n'oublierons pas non plus que ces serviteurs inutiles, étant donné que Dieu a délégué son pouvoir aux causes secondes, que ses serviteurs inutiles sont en même temps des serviteurs nécessaires.